Good morning, everyone, and welcome. Bonjour à toutes et à tous. C'est un véritable plaisir pour moi d'être ici. Je suis Asha Sumpouth, journaliste, et c'est un immense plaisir d'être ici pour souhaiter la bienvenue à tous mes collègues de la presse qui sont dans la salle. Et je sais qu'à l'écran, vous nous suivez également en ligne. Pensez bien à poser vos questions parce qu'il y aura une session questions-réponses à l'issue de ce premier échange. Mais d'abord, quelques mots de contexte. Comme vous le savez, le changement climatique ne fait qu'accélérer le besoin de la transition vers l'électrification. Les émissions de CO2 font l'objet de réglementations qui concernent le transport et l'accès aux villes, et cela transforme l'écosystème de la logistique alors que le commerce électronique est en plein essor. De plus, le marché des fourgonnettes électriques devrait connaître une croissance impressionnante de 40% par an. Alors, la croissance a déjà commencé, puisque entre 2022 et 2030, on s'attend à cette nouvelle croissance. Un nouveau marché apparaît, et pour saisir cette opportunité, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes réunis ici aujourd'hui, le groupe Volvo, le groupe Renault et CGM, conjuguent leurs efforts pour changer la donne. Et dans ce nouveau marché, ce sont les pionniers de ce marché avec une toute nouvelle génération de fourgonnettes entièrement électriques et de services associés sans précédent. Nous en parlerons. Et sans plus attendre, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le président directeur général de Volvo, Martin Lundstedt, Rodolphe Sadé, directeur général de CMA CGM, et bien sûr Luca Demeo, directeur général du groupe Renault. Merci, merci d'être ici. C'est un plaisir de vous trouver tous les trois ensemble. En général, je ne vous rencontre qu'une personne à la fois, mais là, vous êtes tous les trois réunis. Et commençons par vous, Luca, et pour mettre fin au suspense, dites-nous en plus sur Flexis. Bien, tout d'abord, nous avons affaire ici à un projet révolutionnaire, et puis au cœur de tout cela, il y a un produit révolutionnaire. Quand je suis venu chez Renault en 2020, la toute première réunion avec l'équipe VU, du véhicule utilitaire, j'ai vu Frédéric au siège du centre de développement, et on m'a présenté un plan qui montrait 50 ans de développement de véhicules utilitaires dans tous les segments, les petits, les moyens et les grands. J'ai regardé le graphique et on retrouve essentiellement la même chose sur une période de 50 ans. Autrement dit, vous faites la même chose depuis 50 ans. 50 ans. Et ça, c'est une situation assez typique lorsque l'on se rend compte que l'espace est ouvert aux percées, aux projets disruptifs. Et il y avait de nouveaux projets qui apparaissaient ici et là. Je me suis dit, vous avez 100 ans d'expérience du véhicule utilitaire. Peut-être le moment est venu de changer la donne, Et tout a commencé comme cela. Et je me suis tourné vers Volvo avec évidemment sa longue expérience du véhicule utilitaire. Et moi, mon approche a tendance à être horizontale. Donc, c'est pour ça que je m'en suis entretenu avec Martin. Et Rodolphe, de son côté, est venu discuter au bureau. Et il nous a fallu 20 minutes pour lancer un tel projet, une telle idée. C'est quand même rassurant parce que là, j'ai affaire à des gens qui connaissent quand même les affaires, qui connaissent l'activité et qui n'auraient pas suivi un projet qui n'allait pas réussir. Donc, c'était un vrai projet révolutionnaire avec une nouvelle architecture électronique, une nouvelle approche à la conception du véhicule. Et donc, c'était peut-être un peu le Tesla du véhicule utilitaire qui se dessinait. Oui, et puis, vous aviez ici, disons, des champions du domaine, mais le produit lui-même, parlons-en. Alors, oui, c'est une famille de produits. Vous avez au départ les fourgonnettes, disons, classiques, avec des choses que l'on peut entièrement transformer. Hein. Nous avons quand même affaire ici à une manière révolutionnaire de construire et de concevoir ces véhicules, un petit peu à la manière d'un Lego qu'on reconstituerait. Et il sera produit
dans nos usines, mais ce qui est nouveau, c'est ce qu'on appelle le step-in van. On présentera des exemples tout à l'heure, mais de quoi s'agit-il? C'est un véhicule qui est conçu pour la livraison du dernier kilomètre. C'est de cela qu'il s'agit. C'est un véhicule qui est court, qui est élevé, la capacité, un peu la taille d'une Kangoo, mais qui roule comme une... Enfin, vous n'avez pas le moteur à l'avant, vous avez un bon rayon de braquage. Et le fait que l'on change complètement l'architecture du véhicule, ce sera le premier véhicule du groupe Renault dans lequel... alors évidemment, c'est Renault, partage avec vous, mais c'est le premier produit où on mettra en œuvre à fond le SDV, le Software Defined Vehicle, avec une connexion au cloud, avec des mises à jour en temps réel. Tout ce qui est évolutif sur le plan du logiciel sera actualisé en temps réel. Ça, c'est quelque chose qui jusque-là n'existait pas. Et le projet a été porté par l'idée que il faut pouvoir, de la conception à l'architecture électronique, enfin tout ce qu'on va faire ensemble, il faut pouvoir réduire le coût total d'utilisation du produit d'environ 30%. Alors, si vous vous dites que dans la durée de vie d'un produit, on dépense entre 100 et 120 000 euros pour payer d'abord l'essence, mais également la maintenance, l'assurance, etc. Si l'on réduit cela de 30%, en fait, c'est comme si la voiture était gratuite à l'achat. C'est ça qui est révolutionnaire ici. Donc là, il y a du travail à faire, ça n'est pas facile, mais c'est un bel exemple de la façon dont le secteur automobile européen, mais tout ce qui est la construction de camions, la logistique, tout cela se met en mode d'attaque. Ce secteur-là se réinvente et on pratique maintenant un sport d'équipe. On la joue collectif. Et c'est la concrétisation de l'idée qui, à mon sens, sera l'une des idées les plus porteuses, en tout cas ce qui ramènera l'Europe sur le devant de la scène. On en parlera dans un instant. Merci, Lucas. Et justement, vous parlez de jeu collectif. Alors, pourquoi cette JV, cette co-entreprise, Martin? Alors, vous avez fait beaucoup de choses en autonome par le passé, Martin. Pourquoi cette joint venture? Alors d'abord, avant tout, je tiens à dire que c'est un vrai plaisir d'être ici à Paris, de me retrouver avec les équipes de Renault et de CMACGM. Mais dans le secteur de la logistique et en aval, non seulement les clients, mais les clients des clients, la décarbonation est essentielle. Le climat n'attend pas. On a vu de nombreux exemples. Pendant la crise sanitaire, par exemple, on a vu très clairement que l'on ne peut pas se passer d'une logistique ultra professionnelle. La logistique ne va que se développer en termes de volume parce qu'il y a des très grandes tendances en termes d'urbanisation, du commerce électronique, de démographie, etc. Mais il faut quand même une logistique beaucoup plus durable. Et nous travaillons tous les trois très dur dans ce domaine, sur nos écosystèmes, les écosystèmes de nos clients. Mais pour le groupe Volvo, notre exemple, tout ce que nous avons pu mettre en route depuis le début doit pouvoir, à l'horizon du milieu du siècle, se débarrasser de tout ce qui est combustible fossile, de tout ce qui est climatique. Il faut arriver à une plateforme verte et durable. Et là, on ne peut pas le faire tout seul. Là, vraiment, c'est essentiel d'avoir ce partenariat. Alors, l'équation est tout simple. On peut avoir des très beaux équipements, de très beaux camions, mais si vous n'avez pas l'infrastructure et tout ce qui permet vous pouvez réduire le coût d'utilisation, tout ce qui est chaîne d'approvisionnement, si toute la logistique derrière n'est pas là, ça ne fonctionnera pas. Alors, évidemment, tout est une question de timing, parce que si vous avez zéro sur un paramètre, le paramètre est zéro, qu'il s'agisse de pollution, qu'il s'agisse d'émissions, qu'il s'agisse d'autres choses, on ne peut pas faire l'impasse. Et quand on voit notre base de clientèle, ici, nous avons affaire aux principaux acteurs de la scène, les propriétaires des camions Renault. Vous savez qu'il y a déjà un partenariat avec Volvo. Ce que nous voyons, c'est que nous avons une accélération dans tout le secteur, non seulement du camion, mais de la logistique. Donc, si vous avez des problèmes de logistique de livraison, le problème se pose à l'échelle entière de la logistique du
du port, du premier port de départ jusqu'au dernier kilomètre. Et là, la chaîne se construit avec une plateforme logicielle. Hein, c'est un produit remarquable sur le plan aussi bien du matériel que du logiciel, mais c'est une révolution systémique hein, pour que nous puissions joindre tous les bouts de cette chaîne. Pensez au commerce électronique. On prévoit une croissance de 30% jusqu'à 2026. C'est une croissance énorme, énorme. Hein, si vous suivez les tendances, on voit qu'il faut pouvoir suivre cette tendance, mais nous sommes engagés à le faire. Et la combinaison de... Bah, d'abord, vous avez la souplesse, la flexibilité, l'agilité qui nous permet de créer... C'est pour la raison pour laquelle nous avons Flexis, où l'on rassemble toutes les opportunités que peuvent présenter les trois groupes qui se réunissent. D'abord, les économies d'échelle, la base client, le réseau de prestations de services et toute une gestion qui est menée collectivement par les trois groupes. Ce sera un peu rock'n'roll, mais on va y arriver. Donc vous avez deux grands constructeurs, plus un champion de la logistique. C'est une combinaison gagnante, unique en son genre. Rodolphe, vous parlez des 20 minutes que vous avez passées dans le bureau de Lucas pour parler de cette question. Ces 20 minutes ont dû être particulièrement convaincantes. Mais qu'est-ce qui vous a motivé, vous, Rodolphe, de faire équipe avec Volvo et Renault? Ben, il faut voir, on va se demander qu'est-ce que vient faire une compagnie maritime dans une conférence de presse qui réunit des constructeurs automobiles. Alors, ce que je vais dire, c'est d'essayer de répondre à la question d'abord en tant que compagnie maritime, mais également prestataire de logistique. Nous sommes très conscients de ce qui se passe en matière de décarbonation et notamment dans notre secteur. Donc, nous avons pris des engagements très fermes de réduire notre empreinte carbone, d'abord pour être neutre en carbone d'ici à 2050, mais en même temps réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050 également. Et là, évidemment, ce n'est pas facile non plus. Alors, nous avons bien entendu une entreprise de logistique et cette entreprise a recours aux véhicules électriques. Et quand Lucas, en l'espace de 20 minutes, m'a dit « Mais pourquoi ne pas se joindre à nous ?», j'ai dit « Avec plaisir, si vous me faites un bon prix sur vos véhicules électriques, je suis partant ». Mais plaisanterie à part, il est certain que de nos jours, si on arrive à trouver une solution pour réduire notre émission de CO2 dans toute la chaîne logistique, notamment par l'usage de véhicules électriques, évidemment, c'est tout à fait logique. Et nous avons même créé un fonds. Près de 1,5 milliard seront investis dans la décarbonation du transport maritime et de la logistique. Et c'est ce fonds qui servira au financement, ou en tout cas à l'investissement mené également par Volvo et Renault. Deux mots sur ce fonds peut-être? Oui, pendant la période de crise sanitaire, nous avons examiné les nombreuses façons dont on pouvait réduire nos émissions de CO2. Et on a examiné différents projets possibles. Nous étions très rentables pendant cette période, donc nous avions les moyens de créer ce fonds avec donc 1,5 milliard destiné à être investi notamment dans la décarbonation du transport maritime et de la logistique, dont c'est l'investissement dans Flexis, qui est un petit peu le pavillon phare de toute cette entreprise, nous permettra de nous développer dans ce sens en amenant d'autres investissements qui viendront s'ajouter donc à cet programme de décarbonation. Merci. Lucas, vous avez parlé de Flexis qui est un petit peu la concrétisation de ce projet. Vous parlez ici d'un grand projet européen qui viendra servir la logistique et pas simplement l'automobile européenne. Oui, d'abord, je tiens à dire que je suis très fier de me trouver ici aux côtés de deux très grandes et remarquables entreprises. Mais ce qui est intéressant, c'est que effectivement, nous ne représentons pas exactement les mêmes secteurs d'activité, et en particulier le secteur maritime qui a l'air différent, ce qui montre que les grands enjeux, et là j'en ai déjà parlé depuis des mois, certains des grands enjeux, notamment la décarbonation, mais également la révolution digitale, vous avez ici des thèmes qui sont transversaux, qu'on retrouve dans tous les secteurs d'activité. Je parle de cette démarche horizontale, transversale, et c'est la raison pour laquelle il faut faire des partenariats. Bien sûr, on a la possibilité de faire cavalier seul, si on veut, et d'avoir une intégration verticale. Bon, c'est un modèle qui pourrait s'imaginer, mais ce que nous prévoyons, c'est plutôt un modèle horizontal où nous avons des partenariats avec les meilleurs du secteur pour arriver à des résultats.
Il y a un partage du risque, une meilleure allocation des capitaux, mais surtout nous apprenons les uns des autres parce que personne ne connaît mieux la logistique que les équipes de Renault. Enfin, il y a beaucoup de choses à apprendre en travaillant avec nos partenaires. Il en va de même de l'expérience qu'un constructeur de camions comme Volvo est bien plus capable de gérer les problèmes de problématiques techniques sur les véhicules. Enfin bon, c'est un bon exemple de collaboration où on est très complémentaire. Il n'y a aucun projet de ce sens, de ce genre, plutôt en Europe. On a vu des choses aux États-Unis, en Asie, qui vont un peu dans ce sens-là, mais rien à l'horizon, en tout cas ici en Europe, aucun projet qui puisse y ressembler. Et l'Europe est capable d'avoir une capacité disruptive parce que nous sommes... dans une région où la logistique est essentielle. Il y a de nombreux pays, il y a beaucoup de... Bon, c'est vraiment la plateforme idéale, si je puis utiliser l'expression, pour démontrer que nous sommes en mesure de réinventer ce secteur. Alors nous travaillons en amont, mais nous sommes en mesure d'aborder le problème en amont et le suivre jusqu'en aval. C'est un très bel exemple de la façon dont des entreprises européennes qui veulent se hisser au niveau de champion. Il ne s'agit pas de championnat mondiaux, mais enfin, on en est déjà à un très bon niveau. Je suis ravi d'être ici avec mes partenaires. Merci, Lucas. Parlons un petit peu de vos clients. En Volvo, dans la logistique, comment veillez-vous à ce que vous répondez aux attentes et aux besoins de vos clients? Si vous me le permettez, dit Rodolphe, pour rebondir sur ce qu'a dit Lucas et la conjugaison des efforts, je crois beaucoup au partenariat et notamment entre trois grands groupes européens. Nous avons beaucoup parlé de l'Europe, mais ici nous avons un bel exemple d'un partenariat européen. On parle de décarbonation, de véhicules électriques, du fait que Flexus, cette initiative, donc, nous permettra, nous, en tant qu'entreprise de logistique, d'utiliser quelques 1500 camions utilitaires qui pourront traverser ou contourner des villes sans aucune émission de CO2, ça c'est quand même quelque chose de remarquable. En effet, Martin, même question pour vous, le besoin du client, comment ce projet va-t-il améliorer la vie de vos clients? Ben avant tout, et là, Luca et Rodolphe l'ont dit l'un et l'autre, si l'on voit notre base de clientèle dans le monde entier, l'immense majorité des entreprises logistiques sont nos clients, mais il y a d'autres secteurs aussi qui sont concernés. C'est la beauté de la chose. D'ailleurs, nous servons une très vaste base de clientèle et pour répondre à tous ces besoins, il faut pouvoir être des spécialistes de chaque application, bien comprendre ce qui se passe en aval. Maintenant, si vous voyez des grandes entreprises qui essaient de se rapprocher. Évidemment, on parle beaucoup des aspects sociétaux, la réglementation, les restrictions dans le secteur urbain. Mais en fait, c'est les entreprises qui sont les plus touchées parce que les entreprises telles que nous, pas seulement nous, hein, vous avez également dans le secteur de la distribution ou même l'extraction minière ou la construction automobile, chaque secteur a son espace réglementaire. Après 2025, disons que c'est un objectif. C'est une direction, on en est à quoi? Moins 15%. Mais en 2030, lorsque on aura, vous avez 8000 grandes entreprises qui ont adhéré à ce projet, on parle de moins 50 à moins 60% d'émissions. Et alors pour y arriver, que vous soyez dans les extractions minières, dans la distribution, dans la construction, dans la fabrication, ou même une entreprise, une compagnie maritime, il faut avoir une feuille de route. Il faut avoir un programme et vous avez affaire aux plus grands acteurs de la logistique en Europe. Eh bien, ils en sont là où le dernier kilomètre est un lien essentiel parce que c'est cela qui est le dernier maillon de toute la structure point à point, bout à bout. Avec la croissance du commerce électronique de toute cette activité, bien sûr, et il faut viser à la décarbonation, mais également la réduction des nuisances sonores, l'amélioration de l'ergonomie parce que nous avons
avons voyagé aux côtés de nos conducteurs, de nos chauffeurs de camions qui livrent les colis. On voit un petit peu à quoi ressemble la planification. Tout cela peut se combiner avec une expertise complémentaire, mais ce, en dialogue avec nos clients. Et quand Luca parlait de logiciel, il faut imaginer un ensemble numérique qui soit efficace, mais qui ne soit pas fermé, parce qu'il faut, pour chaque cas de figure, pouvoir avoir une solution sur mesure qui réponde aux besoins spécifiques de chaque client, de chaque application, parce qu'on ne peut pas avoir, autrefois on disait, bon, n'importe quelle couleur du moment, que ce soit noir, non. Maintenant, c'est vraiment ce qu'on appelle la customisation, mais qui correspond également à des compétences précises, parce qu'il y a effectivement une certaine diversité. Mais personne n'a pu réunir, rassembler les ressources. Flexis permet de le faire, pas simplement en termes de regroupement des moyens, mais surtout les ressources et les compétences qui peuvent également se déployer. Nous avons l'expertise du groupe Renault en matière de véhicules utilitaires et en industrialisation générale, l'expertise que nous avons du côté de Rodolphe et de son équipe en matière de logistique. Et puis, chez Volvo, nous apportons notre compétence en matière de base de clientèle, de réseau de services. Puis-je ajouter quelque chose, dit Luca Di Meo. Oui, pour renforcer ce que Martin vient de nous dire. Et là, je crois que c'est une information importante qui sous-tend un peu tout cela. Il y a une tendance, quelquefois, dans nos conversations, et là, on le retrouve un peu partout, on confond la question des émissions de CO2 avec la question de pollution en général. Alors, le CO2 est un problème qui se mesure à l'échelle mondiale. La pollution est concentrée autour des activités humaines. En matière de réduction des nuisances sonores, de fumée, de particules fines, ben, c'est dans les zones urbaines. Ici, nous avons un projet, un produit qui s'attaque spécifiquement à ce problème. Maintenant, pour donner un exemple tout simple, qu'est-ce que l'on entend par des projets agiles et des entreprises qui ont des structures de projets agiles et on combine cela avec la puissance d'entreprise. En matière de distribution, nous allons pouvoir vendre ces véhicules, portant la marque Renault, à travers le réseau de distribution de Renault. Je crois qu'on a 5000 concessionnaires en Europe. Donc, on vend la Trafic, la Master. On continuera de le faire. Mais on va pouvoir vendre des camions Renault ou Volvo. Il y aura des opportunités également à travers notre alliance de trouver d'autres clients qui pourront également acheter les produits. Mais surtout, nous pourrons dédier toute une ligne de produits qui représente une combinaison entre le produit et les packages de services, de logiciels, mais là qui sont destinés aux gros clients qui non seulement veulent le produit, mais qui veulent l'utilisation, c'est-à-dire le produit plus la transformation, plus le logiciel, plus, parce qu'évidemment, il faut pouvoir connecter tous les systèmes et même ce qu'on appelle des microservices qu'ils vont demander. Et donc, le dernier élément qu'il faut souligner ici, il faut se rappeler que c'est la première fois que nous serons en mesure de mettre en œuvre vraiment le projet du Software Defined Vehicle, du SDV, avec les grands acteurs que sont notamment Google et Android. Ce qui veut dire que lorsque vous avez votre propre architecture électronique, vous aurez 3 000 à 4 000 ingénieurs qui vont faire la codification du système d'exploitation du OS. Ici, c'est Google sur Android et vous avez 6 millions de personnes à travers le monde qui, et ce n'est pas 3 000 ou 4 000 ingénieurs, vous en avez 6 millions de personnes qui sont capables de coder un système d'exploitation Android. Donc, vous pouvez mesurer le potentiel extraordinaire de services ajoutés parce qu'ils travaillent pour des grandes entreprises, ils ont des ingénieurs logiciels qui peuvent assurer la codification. Non, donc là, c'est quand même à nouveau une démarche horizontale. Un grand merci, effectivement, Luca, Rodolphe et Martin. Luca, vous reviendrez pour la session question réponse, mais quand même, encore quelques instants, parce que nous devons accueillir maintenant les deux personnes qui sont venues nous rejoindre et à qui vous donner en quelque sorte les clés pour l'aventure suivante. Je vous demande d'accueillir Philippe Divry et Krishnan Sundararajan.
Merci. Merci d'être avec nous. Et bien entendu, Rodolphe, Lucas et Martin nous rejoindront dans un instant. Mais Philippe et Christian, pour ceux qui ne vous connaissent pas, deux mots. D'abord, Philippe, si je ne me trompe, vous avez une longue carrière chez Volvo en France, en Suède, en Inde. Vous avez mené des activités commerciales et vous avez beaucoup d'expérience avec les JV et les partenariats stratégiques. Et Krishnan, quant à vous, vous êtes un professionnel de l'automobile avec des programmes automobiles gérés dans toutes sortes de régions, l'Asie, les États-Unis, l'Europe. Et vous êtes passionné également par ce projet qui nous amène à un nouveau chapitre. Et évidemment, c'est une grande aventure. Alors peut-être la toute première question. Alors, vous êtes impatient de mener ce projet dans son étape suivante. Mais spontanément, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous parlez du parcours qui a abouti à Flexis? Philippe, d'abord, je tiens à remercier nos fondateurs de la confiance qu'ils nous témoignent, leur soutien et leur vision stratégique avec ces opportunités qui nous ont été présentées. Ça fait des années que je travaille dans ce secteur et les clients me disent toujours la logistique urbaine représente 20% en termes de kilomètres, mais 50% en matière de coûts et une plus grande partie encore de la complexité de ce secteur parce que c'est un environnement qui est extrêmement complexe et il faut constamment renforcer l'efficacité des opérations, réduire les coûts, améliorer la qualité et en plus de tout cela, un nouvel enjeu, c'est la transition énergétique et la décarbonation. Alors ce que nous disent nos clients, c'est que jusqu'à présent, personne n'a pu arriver à la solution complète, intégrale à ce problème. Et c'est pour ça, avec Flexis, nous avons trois piliers. D'abord, la plateforme innovante de véhicules. Deuxièmement, une efficacité des services B2B et puis, troisièmement, une interface dédiée aux clients. C'est la combinaison de ces trois piliers qui forment quelque chose, une nouvelle proposition de valeur, entièrement nouvelle, qui permet à nos clients, en tout cas, de mener leurs opérations urbaines de logistique de manière plus propre et plus efficace en même temps. Formidable. Philippe, alors deux mots quand même sur les trois piliers que vous venez d'évoquer. Qu'est-ce qu'il y a derrière cela? D'abord, le premier pilier Christian, sur la nouvelle plateforme de véhicules. Oui, eh bien, cette plateforme est très innovante. Comme vous venez de le dire, vous avez ici un véhicule électrique avec ce qu'on appelle un skateboard auquel plusieurs types de carrosseries peuvent s'adapter. Donc c'est de plus en plus convivial, en tout cas pour le client, plus de flexibilité. Vous avez un système 800 volts, ce qui veut dire que vous pouvez monter le régime électrique très rapidement et vous avez deux types de batteries pour les besoins des clients qui peuvent être différents. Mais le cerveau de la voiture, c'est-à-dire donc le logiciel, ce sera le premier véhicule qui sera vraiment mené par le logiciel. Nous avons travaillé avec différentes entreprises de logistique pour voir ce qu'étaient les services attendus par ces entreprises pour que ce logiciel puisse être apporté la réponse. Mais depuis quelques années, nous avons parlé à nos clients aussi bien en distribution que tout ce qui est de la logistique en général et on a affiné le produit pour répondre exactement aux besoins qui feront de ce projet une véritable percée. Et puis enfin, et ce qui est important ici, c'est que l'équipe qui a le savoir-faire, c'est le capital de savoir que nous allons investir dans Flexis pour que ce projet se réalise. Merci Krishnan. Et deux mots sur les deux autres piliers, les services et l'organisation, si j'ai bien compris. Mais oui, les services, et là Martin et Lucas en ont parlé, vous avez beaucoup de services, enfin, en tout cas en matière d'efficacité pour les entreprises, que ce soit dans la logistique ou dans d'autres secteurs, mais jusqu'à présent, ces services n'étaient pas disponibles sur les fourgonnettes. Et là, c'est ça qui va changer avec la nouvelle architecture électronique qui va faire de ces fourgonnettes des dispositifs en quelque sorte électroniques pour nos clients. Ça veut dire qu'ils auront accès à ces services, mais surtout, ils seront en mesure de connecter leur véhicule à leur système de gestion de flotte et nous serons en mesure de personnaliser en quelque sorte ces véhicules
pour répondre aux besoins spécifiques. Mais pour ce faire, et ça c'est le troisième pilier, achat, j'y venais, nous constatons qu'il nous faut également une nouvelle organisation. Parce que on n'a pas affaire ici au type de vente classique, c'est un projet que nous vendons. Et nos fondateurs ont été visionnaires parce qu'ils ont décidé d'être disruptifs avec Flexis, qui est une nouvelle entreprise indépendante, mais qui aura des équipes expertes qui seront en mesure d'engager ce dialogue avec le client et trouver des solutions adaptées spécifiquement aux besoins de chacun. Oui, si je puis me permettre d'ajouter, je vous en prie, Philippe Divry. Oui, non, je m'en tiendrai là. Peut-être quand même une toute dernière question. Quelle est l'étape suivante? Eh bien, nous commençons l'exploitation maintenant. Une équipe nous vient de Renault, de Volvo et d'autres entreprises. Nous allons faire deux choses immédiatement. D'abord, nous allons intensifier le dialogue avec nos clients pour entrer dans le détail des solutions qu'ils attendent de nous. Deuxièmement, nous allons continuer à chercher de nouveaux partenaires, peut-être des partenaires stratégiques, mais également des partenaires financiers ou technologiques ou logiciels, pour élargir notre offre et accélérer notre croissance. Donc, nous parlons de l'immédiat. Oui, c'est pour tout de suite, mais nous commencerons à livrer dans 2 ans, ce qui nous donnera le temps d'avoir quelques mises à jour, et je serai ravi de vous rencontrer dans l'espace de quelques mois pour vous faire le point sur comment nous allons transformer la logistique urbaine et assurer l'avenir. Eh bien, écoutez, un grand merci, Krishnan et Philippe, pour ces propos. Dans quelques instants, nous allons répondre à vos questions, donc soyez prêts à les poser. Lucas sera avec nous également. Mais avant de se faire un petit aperçu de ce à quoi ressembleront ces véhicules. Bien, comme vous pouvez voir, c'était un aperçu. J'espère que ça vous donnera envie de poser encore plus de questions. Alors, Martin, Luca et Rodolphe, merci de revenir sur scène pour cet échange. Question-réponse. Bien, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Parfait. Qui souhaite poser la première question? Monsieur, s'il y a un micro pour monsieur. Merci. Bonjour, Olivier Bertalli de Le Point Magazine de France. Une question pour Rodolphe Saadé. Envisagez-vous ou avez-vous prévu d'accroître vos investissements en cas de succès, investissement dans Flexis? Et peut-être pourriez-vous nous parler de la stratégie d'investissement de votre groupe dans cette entreprise? Eh bien, je crois que 20 millions d'euros, c'est significatif. Alors, ce que je dirais, c'est que notre objectif, c'est de répondre aux exigences. La livraison est prévue en 2026 et nous voulons également proposer des camions, des véhicules utilitaires compétitifs. En ce qui concerne la stratégie, j'en ai parlé dans mes propos. Je crois en la décarbonation en utilisant de nouvelles technologies. Nous sommes une entreprise de la logistique et une entreprise de transport maritime. C'est pourquoi nous avons besoin de camions électriques qui ont leurs émissions de CO2 réduites, et un concept a été proposé par Luca. Ce concept répond à nos exigences. C'est pourquoi c'est la solution logique et j'ai hâte de commencer. Merci Rodolphe, merci pour cette question. Alors, d'autres questions? Pourriez-vous vous lever s'il vous plaît? Gilles Guillaume de Reuters. J'ai 2 questions. D'abord, quelle marque sera celle des fourgonnettes vendues? La marque Renault Trucks? Y aura-t-il une autre marque fêtière en quelque sorte? Est-ce que Flexis sera un nom utilisé à des fins commerciales? Et ce tour de table est-il définitif ou êtes-vous ouvert à accueillir d'autres partenaires? Bien, alors, avec Renault et Renault Trucks, c'est
certains, Volvo également. Non, Renault Trucks. Nous avons eu cette discussion avec Nissan, notamment au vu de l'achat de nos véhicules utilitaires, la Kangoo, le Master. Alors, peut-être allons-nous saisir cette occasion. Et nous aurons également une autre marque. Vous avez Flexi, c'est la dénomination juridique. Nous verrons si nous utilisons ce nom à des fins commerciales, mais ce n'est pas une question trop importante. Ce qui est certain, c'est qu'une partie des véhicules seront commercialisés avec cette logique d'une marque fêtière. Je ne vais pas donner de nom d'entreprise, mais vous avez des grandes entreprises qui veulent leur propre version, leur propre microservice pour connecter le système à leur propre système. Et nous avons le véhicule qu'il leur faut. Certains d'entre vous étaient à Sandouville vendredi. Vous aurez vu qu'il y a une capacité significative, mais il y a des compétences également. Et avec nos véhicules utilitaires, vous savez, c'est un segment complexe sur le plan industriel. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que nous sommes en mesure de garantir les volumes tout en faisant preuve d'une approche révolutionnaire. C'est difficile de changer les choses. Il y a eu de nombreux défis ces dernières années, pour la simple production parfois. Et nous pouvons avoir une production à l'échelle, à des coûts compétitifs. Alors, sommes-nous ouverts à d'autres partenaires? Pour l'instant, c'est une possibilité. Nous développons les véhicules, nous avons les fonds garantis et prêts. Mais par défaut, il y a une ouverture. Ce qu'il y a de beau, c'est qu'avec un tel produit, on peut devenir une norme en Europe. Vous avez l'écosystème, la logistique, les systèmes logiciels. Et l'Europe mérite, a besoin d'un tel produit, d'une telle offre. Nous avons des engagements au titre du pacte vert, réduire la pollution dans le contexte urbain. Et ce sera un outil à cette fin. C'est là que le véhicule pourra se rendre utile. Alors nous sommes ouverts, et nous le restons, des investisseurs financiers ou à d'autres parties prenantes. Puis-je ajouter à ce qu'a dit Luca? Alors d'abord, je suis entièrement d'accord avec ce que Luca a dit. La bonne nouvelle, je dirais, est que avec une entreprise comme celle-ci, qui a un modèle opérationnel très intéressant, sur plusieurs plans. On parle de la différence entre vitesse, agilité, flexibilité et échelle ou passage à l'échelle. Ici, les deux peuvent être combinés. Le meilleur des deux mondes. Cela vaut pour le produit et pour l'industrialisation, et également pour la portée mondiale. La réalité est que si l'on prend les investisseurs tels que nous les avons aujourd'hui, nous avons la portée internationale. Nous devons ensuite voir quel est le contexte ou la configuration la plus adaptée en fonction de la zone géographique, mais nous avons des opportunités de passage à l'échelle internationale. En Amérique du Nord, nous interagissons avec plusieurs marques, ailleurs également. L'ouverture est une bonne chose. La bonne nouvelle, c'est que nous avons toutes ces opportunités qui se présentent à nous, mais nous combinons ce qu'il y a de bien dans les deux mondes et cette configuration nous sera très utile. Et nous n'avons pas de problème de volume. Nous avons d'ores et déjà l'épine dorsale avec l'industrialisation, les connaissances produits, les services, les réseaux de services, la clientèle. Et nous voulons nous appuyer sur ce socle pour continuer l'aventure. Merci Martine. Une question ici du monsieur devant.
Bonjour, je travaille pour AFP, l'agence française. J'ai une question sur le prix. Les camions électriques restent plus onéreux que leurs équivalents diesel. Quand y aura-t-il une parité des prix pour ce produit? Et ensuite, en ce qui concerne les marges, à partir de quel volume est-ce que cela devient intéressant pour vous? Vous posez là une question très normale ou très basique pour un projet aussi révolutionnaire. Ce qui est certain, c'est que sur le plan du prix, le prix sera plus élevé que le trafic avec moteur diesel, mais dans 10 ans, ce trafic sera peut-être interdit. Il n'aura plus le droit d'entrer dans les centres-villes. Il y a environ 35 zones zéro émission planifiées en Europe. Alors, vous n'étiez peut-être pas là avant, mais j'ai parlé du fait que ce qui est clé, ce n'est pas le prix, c'est l'offre pour nos clients, avec un coût total de possession qui est de 20 à 30% inférieur. Et ce sont des clients professionnels et ils ne regardent pas le prix, ils regardent le coût de possession, le coût d'utilisation. Et c'est là que nous pouvons être compétitifs. En ce qui concerne les marges, bon, je ne vais pas faire de commentaires, mais nous ne nous engagerions pas s'il n'y avait pas de rentabilité à la clé. Et si nous n'étions pas, si je n'avais pas réussi, je n'aurais pas réussi à convaincre Martine et Rodolphe sans cela, même avec du café, du bon café, je n'aurais pas réussi. Donc, tout cela montre que le projet est en bonne santé et qu'il est viable. Nous avons encore des travaux qui doivent être faits, mais c'est un projet qui sera rentable pour Renault, et je pense que c'est encore plus le cas pour CMA CGM et Volvo Trucks. Pour ajouter quelques mots, nous avons une production en série pour les poids lourds et poids intermédiaires depuis 2019, et nous pouvons voir, très bien voir ce que Luca a expliqué. Vous avez d'abord un contexte réglementaire. Vous aurez simplement une interdiction des moteurs à combustion pour la réduction de la pollution. Mais ce qui est ensuite intéressant de voir, c'est que avec cette configuration, il y a une planification différenciée. La réalité est que les livraisons du dernier kilomètre sont un enjeu très important dans la planification, l'ergonomie et dans l'optimisation des coûts. Puisque ce sont des équipements B2B et on optimise l'intégralité du processus, le temps de charge par exemple, et encore une fois, tous les services pour permettre une optimisation des processus. Alors je suis très optimiste. Et puis il y aura une tarification carbone également dans le secteur public et privé. Mais ce qui est important pour nous, par ailleurs, c'est qu'il sera compétitif par rapport aux véhicules diesel. Mais parfois, on fait ces comparaisons-là, mais nous devons être les meilleurs sur ce segment-là. Et c'est ce que je souhaitais ajouter. Peut-être autre chose. Si vous produisez quelque chose de bon pour vos consommateurs, vous gagnez de l'argent. Je me souviens avec Krishnan, au départ, nous essayons d'exploiter au mieux les interactions avec nos clients. 30 secondes d'économiser sur le temps de livraison, c'est 1% de rentabilité supplémentaire pour l'entreprise de logistique. Alors vous pouvez sortir du véhicule par la gauche, pas besoin de sortir par l'arrière, vous avez un mécanisme de prévu pour une planification des livraisons. Et voilà, 30 secondes, c'est 1% de rentabilité.
Et dans le secteur logistique, c'est une question de rentabilité, mais pas seulement. Il y a une forte concurrence. Vous savez, les marges sont réduites. Et ce type de solution est une aubaine. Et puis, vous aurez d'autres mécanismes pour faciliter les livraisons. Rodolphe, peut-être vous souhaitiez ajouter? Oui, pour ajouter à ce que disaient Martin et Luca. Deux éléments clés en ce qui me concerne. Les dates de livraison. Nous n'avons pas parlé de la concurrence asiatique. Nous savons que ces constructeurs sont audacieux et ambitieux pour les camions électriques également. C'est pourquoi le plus tôt nous pouvons assurer nos livraisons dès 2026, le mieux nous nous porterons. Puisque nous parlons de rentabilité, nous devons nous assurer que nos camions électriques sont compétitifs. Voilà, je casse un peu l'ambiance, mais je pense que c'est être réaliste. Deux autres questions ici. Bonjour, je travaille pour Bloomberg. Vous avez anticipé ma question. Cette concurrence chinoise est un enjeu majeur. Alors, pourriez-vous nous en dire plus? Nous entendons beaucoup parler de la menace asiatique pour les camions et les fourgonnettes. Est-ce une raison pour laquelle vous vous êtes allié aussi rapidement? Et quelle est pour vous, quelles sont les perspectives selon vous? Est-ce que vous allez suivre cette tendance de près pour les véhicules particuliers également? Et quelle était cette marque de café qui vous a rendu aussi convaincant? Non, je blague bien évidemment. Alors c'est une question importante. Je vais commencer par quelques mots sur parler de Volvo. 50 milliards et 2% de nos ventes sont en Suède, 30% en Europe. Et j'ajouterai qu'il faut être le meilleur à long terme. Si vous n'êtes pas compétitif à long terme, eh bien, aucune protection ne vous sauvera. Et c'est notre objectif. Si nous ne croyons pas au fait que nous pouvons être des acteurs clés dans le contexte de décarbonation et de compétitivité, de flexibilité, de solutions de bout à bout, eh bien, il ne faut pas se lancer dans cette aventure. Nous avons un capital et compétences affectées et nous croyons en ce projet. Nous savons que c'est un secteur dans lequel nous devons être impliqués. En ce qui concerne la concurrence, le libre-échange est une bonne chose, mais les règles du jeu doivent être respectées par tout le monde. Et c'est encore plus important au vu de l'enjeu de décarbonation pour ce qui concerne les matières premières utilisées. Et nous sommes prêts à faire face à n'importe quel concurrent, et nous devons l'être, sans quoi on ne pourra pas avancer. Martin, face à ces concurrents asiatiques, eh bien, on observe qu'il faut être compétitif. Si on ne l'est pas, on se retrouve dans un recul. Il faut faire preuve d'innovation pour progresser rapidement. Cela vaut pour tous les segments, pour nous toutes et tous. Nous sommes à la tête d'entreprises internationales, nous sommes conscients des enjeux, mais nous ne pouvons pas simplement dire que nous allons suivre la tendance. Je crois que je dirais que les concurrents chinois sont évidemment très bien placés, en très bonne position. Mais pour ce segment-là, les Européens conservent un avantage. Renault, si vous prenez la marque Renault, première marque d'utilitaire en Europe. Notre marque est donc chef de file. Et de façon générale, les véhicules utilitaires européens sont parmi les plus sophistiqués du monde. Si vous comparez ces véhicules à ceux au Japon, aux États-Unis, en Chine, ce que nous proposons à nos clients,
Bon, même si j'ai dit qu'on avait fait la même chose pendant 50 ans, les produits en Europe sont parmi les plus sophistiqués. Et nous avons ces compétences, nous accélérons le processus, nous avons une plateforme de véhicules électriques qui est notre propre plateforme, et l'intégration à l'écosystème européen est également un enjeu et nous avons un avantage. Et il ne faut pas sous-estimer évidemment le potentiel d'autres concurrents, mais l'environnement est propice pour nos activités. Je vais me retourner vers la salle, mais nous avons d'abord une question en ligne, je crois. Une question d'un collègue. Cilia ? Oui, bonjour. Alors, votre micro n'est pas allumé. Hello, hello. Can you open your mic? Pourriez-vous allumer votre micro? Merci. Bonjour. Hi, I'm Cilia Broncano for la Tribuna Automoción. Bonjour. How will be the productive capacity of the new vehicle? Alors, vous avez parlé des capacités à Sandouville. Est-ce que vous n'allez vous concentrer que sur les véhicules utilitaires ou est-ce que vous envisagez d'ajouter des véhicules particuliers? Et vous avez évoqué le fait que vous cherchez de nouveaux investisseurs. Pourriez-vous nous en dire plus au sujet des investisseurs et partenaires? Alors, nous n'avons peut-être pas clairement entendu la question. Ce n'est pas très clair. Bon, je ne sais pas si vous avez pu entendre les grandes lignes. Alors, vous avez parlé des capacités à Sandouville. Nous n'en parlons jamais. Nous faisons de notre mieux, mais la logique derrière tout cela ne s'appuie pas que sur les volumes, on s'appuie sur tout le modèle autour des produits. Ensuite, une question sur les investissements. Seulement les véhicules utilitaires? Non, nous nous concentrons sur les véhicules utilitaires. Il y aura peut-être possibilité d'élargir la gamme, effectivement, comme cela a été dit, élargir à d'autres zones géographiques en fonction des besoins. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur ce que nous avons. C'est déjà un travail considérable pour Philippe et pour toute l'équipe. Et puis, troisième question sur les investisseurs. Bon, je crois que nous l'avons déjà dit, nous serons ouverts. Le scénario idéal pour moi est d'ajouter un partenaire industriel qui peut permettre de faire croître la co-entreprise. Mais tout cela est un chemin. Un projet qui va suivre son cours. Nous allons créer des choses avec nos actionnaires. Alors, si un acteur peut avoir une valeur ajoutée dans ce projet, alors il sera logique d'accueillir cette partie prenante. C'est une question de partage des compétences. Merci pour cette question. Je vais revenir à la salle. Il y a une autre question en ligne. J'espère que le son sera meilleur. Charlie, la parole est à vous. Merci de votre temps. Alors, une question sur l'aspect innovant. Vous avez parlé du fait que vous voulez proposer cette plateforme de rupture. À quel point cette rupture sera-t-elle marquée dans le secteur des utilitaires? Alors, c'est une question sur la plateforme, sur cette technologie de rupture. Philippe, cette plateforme a été conçue pour être 100% électrique. Donc, vous ne prenez pas un véhicule avec moteur à combustion et on ne l'électrifie pas. Cela permet notamment d'optimiser la plateforme. On a un avantage sur le plan de la manœuvrabilité et tout cela permet une conception 100% électrique. Cela étant dit, la plateforme telle que vous la voyez peut être élargie, elle peut être ajustée, adaptée. C'est une planche robuste, mais de nombreuses variantes sont possibles.
Oui, Krishnan, je voulais simplement ajouter qu'une exigence pour les entreprises de la logistique, c'est d'avoir cette flexibilité. Nous nous sommes penchés sur l'ergonomie également pour que l'on puisse avoir une mise à l'échelle et pour que l'on puisse conserver ce modèle tout au long de la chaîne. Beaucoup d'entreprises de la logistique voient leurs conducteurs changer d'emploi après 12 à 18 mois. Il faut donc changer son personnel tous les 12 à 18 mois. Si nos véhicules peuvent être plus simples d'utilisation pour les personnes qui livrent 100 à 150 colis par jour, et si l'on peut permettre de réduire ce roulement de personnel grâce à ces véhicules, c'est une valeur ajoutée. Il y a aussi tout ce qui est l'apprentissage autour des véhicules, le temps de charge et d'autres éléments. C'est un enjeu important. J'espère que ça répond à votre question, Charlie. Une autre question de la salle. Denis Perrin du journal La Croix. Une question adressée à Luca De Meo. Envisagez-vous d'autres partenariats avec d'autres constructeurs pour les véhicules de petite taille, par exemple? Je suis quelqu'un de très ouvert. J'y crois fermement. C'est une manière de relever des défis. Rodolphe a parlé de cette pression qu'il exerce en tant qu'actionnaire. Bon, tout cela est bénéfique pour nous. Dans certains cas, sur certains segments où nous devons encore apprendre, où nous n'avons pas de solution nous-mêmes, c'est une bonne approche. En ce qui concerne Renault, il y a une transformation radicale dans l'affectation du capital. Et parfois, nous devons créer une solution. Alors, il y a 3 ans et demi, nous n'avions pas les moyens, mais avions les idées. C'est la réalité. Maintenant, Renault s'améliore, mais au départ, il a fallu trouver des solutions. Et ma solution, c'était d'abord Martine, et ensuite Rodolphe. Et puis, petit à petit, vous comprenez que chaque entreprise peut apporter une pierre à l'édifice, qu'il y a des compétences qui peuvent être partagées. Et nous n'avions pas les moyens à l'époque, pas les moyens pour notre ambition, qui était considérable. Le portefeuille était réduit. Mais c'est comme cela que tout a commencé. Et si nous trouvons d'autres opportunités, nous les saisirons. Alors, les véhicules du segment A sont face à des défis en raison d'une offre de produits réduite, de la réglementation. Les prix ont explosé. On vendait des véhicules à 10 000 euros sur ce segment A. Maintenant, les véhicules électriques coûtent le double. Alors, des solutions doivent être trouvées. Merci, Luca. Je vous rappelle simplement, les questions doivent porter sur Flexis. Sophie Faye du Monde, pourriez-vous nous parler de cette planche, de ce skateboard? Est-ce que c'est une nouvelle tendance dans le secteur? Est-ce que c'est un simple mot? Et ensuite, à propos de Michelin, il y a une électrification des fourgonnettes. Est-ce que vous avez parlé à Michelin? Y a-t-il des plans aux côtés de Michelin? Alors, je vais d'abord vous parler de cette planche, ce skateboard. Comme je l'ai dit, c'est une planche qui permet de construire de A à Z son véhicule 100% électrique. Donc, pas de moteur à combustion et pas d'adaptation. 100% électrique. Et on s'assure qu'il y a une vraie manœuvrabilité. Et ensuite, la hauteur du plancher. Avec cette planche, nous pouvons adapter différents types
de modèle de carrosserie, pas besoin de nombreux ajustements dans l'usine. Cela permet une grande flexibilité. Tout s'appuie sur ces éléments superposés ou combinés. Le tout se fait de façon simple, avec une haute interopérabilité et une grande durabilité. Et je vais peut-être laisser quelqu'un d'autre répondre. Oui, vous savez, beaucoup d'entreprises qui prennent des fourgonnettes standard ou électriques et les utilisent pour des services adressés aux clients. Ce que nous avons chez Flexis, c'est un véhicule et un service conçus simultanément pour qu'il n'y ait pas de décalage entre logiciel et service. Tout cela sera construit, conçu au sein d'une entité intégrée. Et le matériel va renforcer le service et vice-versa. Donc la combinaison est très forte. Alors Sophie, vous avez posé une question sur la transformation des fourgonnettes à combustion en fourgonnettes électriques chez Michelin. Oui, Watea conçoit des logiciels et des capteurs pour proposer des services à différents clients. Ce pourrait être... oui, nous étions aux côtés de l'équipe de Michelin il y a 3 semaines, je crois. Nous nous sommes penchés sur cela. Nous coopérons avec cette entreprise. S'il y a des opportunités, nous les saisirons. Si c'est bon pour les clients, généralement, l'approche est la bonne. Alors, il faut simplement que l'on se pose cette question-là. Qu'est-ce qui est bon pour nos clients? Alors, l'architecture sera nécessairement physique et numérique, mais nous avons beaucoup de possibilités, beaucoup de flexibilité. Nous sommes face à un produit révolutionnaire. Merci, Luca. Alors, la question est très importante. Si vous prenez l'écosystème pour les poids lourds aujourd'hui, vous avez des systèmes de services pour la maintenance prédictive, les temps de conduite, la surveillance des batteries. Vous avez tous ces systèmes qui sont fortement utilisés. Le financement des clients, les assureurs, tout est personnalisé. Si vous prenez l'exemple de Volvo, nous avons plus d'1,6 million d'unités connectées parmi nos clients. Et l'écosystème électronique est ouvert. Si une entreprise peut proposer des services par le biais de ce logiciel, eh bien il faut que cela soit possible puisque c'est bon pour les clients. Cela permet des gains d'efficacité, cela permet la décarbonation. Et sur le côté matériel pour les véhicules utilitaires, c'est très important. Et nous avons à cœur de garantir la modulabilité. Cet aspect modulable, qu'est-ce que cela signifie? Avoir des interfaces normalisées. Et pourquoi c'est important? Parce qu'entre ces interfaces, vous pouvez procéder à un ajustement aux besoins spécifiques sans de perte de mise à l'échelle. C'est important d'avoir ces capacités de mise à l'échelle, mais on ne peut pas compromettre les applications pour les clients. Dans le contexte de Flexis, ce sont des équipements de production et ces équipements sont utilisés. Vous savez, ces véhicules utilitaires seront utilisés bien plus que des véhicules particuliers, par exemple. Donc, avoir un aspect modulable est clé. Et les équipes d'ingénieurs de Renault se sont penchées sur cela. Avoir une plateforme, et ensuite cela permet une excellence sur le plan des applications. Merci. Alors, il nous reste une ou deux questions. Une au premier rang, si vous voulez bien passer le micro au premier rang, madame. Oui, je vous en prie. Et ensuite, une dernière question, oui.
Oui, merci. Pour le New York Times, j'aurais une question justement sur l'éléphant dans le salon, à savoir l'Asie. Vous avez un peu répondu à la question, mais pour rebondir sur votre réponse, dans quelle mesure vous avez parlé du besoin de rendre des véhicules compétitifs, mais dans quelle mesure donc pensez-vous que ce projet, ce produit pourra entrer sur le marché chinois, voire pour un marché niche en Chine, je ne sais. Mais comment rester compétitif par rapport aux entreprises américaines compte tenu des subventions massives accordées aux constructeurs américains par la loi IRA? Pour les Européens, qu'est-ce qui pourra garantir la création d'un champion européen? Écoutez, effectivement, là, je parle sous le contrôle des spécialistes, mais la structure du marché des véhicules utilitaires en Chine est très différente. Vous avez des tas de petites choses, vous avez peut-être quelques véhicules électriques, mais la structure de ce marché, du secteur, est très différente en Chine de ce qu'elle est en Europe. Et pour l'instant, il n'est pas vraiment question d'aller en Chine avec Flexis, parce que Flexis n'est pas conçu pour l'écosystème chinois. Ce qui nous intéresse, ce sont des marchés peut-être plus sophistiqués dans ce segment et qui a besoin de produits plus sophistiqués. C'est plutôt ça que de lutter contre des véhicules électriques à 8000 euros qu'on voit un peu dans les villes chinoises, parce que c'est ça la réalité de l'enjeu actuellement. Maintenant, la deuxième grande question, bon, alors je n'ai pas le temps de répondre à tout, mais peut-être avez-vous vu la lettre que j'ai adressée à certains des partenaires potentiels. Il nous faut une stratégie. Nous avons reçu pas mal de soutien. La semaine dernière à Sandouville, le ministre de l'économie était présent. Et bon, l'État est présent. Bon. Mais ce qu'il faut, c'est quand même une stratégie qui nous permettra d'assurer la transition à l'échelle d'Europe. On ne va pas se contenter d'une suite de règlements qui viennent nous tomber dessus tous les six mois. Non. Ce qu'il nous faut, c'est répondre. Enfin, d'ailleurs, c'est du côté du constructeur, c'est nous avons nos propres besoins. Mais au bout du compte, il ne faudrait pas chercher une excuse pour dire voilà, ça ne fonctionne pas parce que les autorités ne sont pas derrière nous, parce qu'on n'a pas les subventions, parce qu'on n'a pas le soutien de l'État ou que sais-je. Non. Regardez ce qui se passe en Chine avec City. Ça tourne là-bas. Nous, il faut avoir une initiative où des entrepreneurs se trouvent ensemble une solution pour répondre aux besoins et aux attentes des clients et pour faire avancer l'économie européenne. Pour le client, pour le concurrent américain qui voudrait entrer sur ce segment pour être présent en Europe, le marché européen est ouvert, les portes sont ouvertes. Non, ce qui est important, et là, bon, si on veut comparer les marchés européens et américains, on n'aura pas le temps de tout examiner ici, mais si vous regardez les véhicules utilitaires aux États-Unis, on passe d'une plateforme brune à une plateforme verte, si vous me passez l'expression, et par rapport à la concurrence, on voit qu'aux États-Unis, on a l'ancienne chaîne de valeur, et évidemment, la demande évolue différemment. Enfin, c'est-à-dire que vous avez, il faut pouvoir répondre à la demande, sans quoi l'écosystème ne pourra pas évoluer en termes d'échelle, pas simplement d'ailleurs pour ce qui est de l'équipement lui-même, mais tout ce qui est de l'approvisionnement, des charges, des stations de recharge, etc. Ici, on a un objectif qui est de pouvoir tourner à un certain volume, mais les volumes ne serviront à rien si la demande n'est pas là. Enfin, il faut une demande réelle et c'est à cela que doit répondre la production, c'est à cela que doit répondre votre offre. Donc, oui, on a regardé un peu nos concurrents. On a appris beaucoup de choses en voyant ce qui se passait justement aux États-Unis. On est bien conscient de ce qui se passe. Nous avons quand même 100 ans d'expérience dans le véhicule utilitaire, Volvo, un certain nombre d'années. Mais, et avec Berlier, ça fera encore plus. Oui,
Alors, une toute dernière question, mais ce sera, évidemment, ce sera une belle aventure qui va peut-être en inspirer d'autres. Vous avez quoi, 2-3 ans d'avance sur la concurrence? Un grand merci, messieurs. C'était un immense plaisir d'être associé à cet événement. Merci à nouveau.